Salut à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, mais avant ça j'aimerais vous remercier. On a dépassé la barre des 200 et maintenant même plus que 200 personnes qui suivent cette chaîne, donc un grand merci. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive en fait à continuer. Donc pour vous expliquer, voilà, j'ai été pas mal absent, donc j'étais absent pour des raisons personnelles. Et au moment où je voulais recommencer à faire des vidéos, j'ai eu des problèmes informatiques, ce qui fait que tout ça a encore repoussé un petit peu plus la venue de cette vidéo. Donc j'en suis désolé, ça ne signifie pas que je vais fermer cette chaîne, elle n'est pas finie, je vais continuer et reprendre tout doucement et continuer à faire des vidéos sur le Vietnam. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le trésor de Hue. Et je vais vous faire découvrir son histoire, enfin une partie de son histoire, pas toute son histoire parce que je ne connais pas tout, mais une partie de son histoire qui est liée à la France. Donc voilà, bonne vidéo et puis encore merci pour votre soutien. Cette vidéo va être divisée en trois parties, donc un peu d'histoire pour expliquer le contexte, ensuite je vais préciser qu'est-ce qu'un trésor, et puis ensuite je vais parler directement du trésor de Huy. Donc première partie, un peu d'histoire. 1858, les Français étaient déjà en Chine, combattant lors de la seconde guerre de l'opium. Napoléon III, en représailles à certains événements arrivés au Vietnam, envoya un corps expéditionnaire contre l'empire d'Annam. Ils ont débarqué à Touran, qui est l'actuel Da Nang, et se sont emparés de la ville. C'est à partir de là que commença la colonisation de l'Indochine. 1862, la France annexe trois provinces de l'Empire Nguyen qu'ils nommeront la Cochinchine. 1863, création d'un protectorat au Cambodge. 1883, l'Empire d'Annam et le Tonkin sont placés sous protectorat français. Juillet 1885, l'armée française occupe la citadelle et le palais impérial de Hue. Au même moment, l'empereur Hang Nhi s'enfuit. Il avait organisé cette fuite depuis plusieurs mois et il voulait cacher une grande partie du trésor impérial. Mais les soldats français l'ont trouvé. Il deviendra le trésor de Hue. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un trésor? Une des définitions est que c'est un ensemble de choses précieuses, amassées et cachées. Quel est l'âge d'un trésor? Un trésor est daté par la pièce la plus récente qu'il contient. Le trésor de Hue, avec lui, on est en fait en face d'un témoignage à la fois technique mais surtout artistique. Lors de sa découverte, le trésor consistait en 3 tonnes d'or et 30 tonnes d'argent. Mais cela n'était pas que de simples lingots, il y avait des pièces de plaisir, des lingots de grande beauté, avec sur eux des messages et des vœux. Ce butin a été réparti de moitié entre les forces d'occupation et le protectorat mis en place. Soit une partie rendue au nouvel empereur, qui était de la même famille que le précédent empereur, mais en étant plus pro-occidental. Cette partie sera fondue pour en faire des pièces vietnamiennes dans le protectorat d'Annam, qui fait partie de l'Indochine française. La partie du butin des forces d'occupation part de Hanoï pour Marseille, quelques lingots disparaissent en chemin, puis il part de Marseille jusqu'à Paris et à l'hôtel des Monnaies où les lingots seront fondus pour en faire des pièces utilisables en France. Des fonctionnaires de la Monnaie de Paris tentent de préserver un peu de ce magnifique trésor, mais le ministère des Finances choisit de faire fondre une partie du trésor en 1887. 14 tonnes d'argent et 1 tonne d'or sont fondues, mais un échantillon de chaque type de métal et lingot est conservé en 2 exemplaires. En 1900, l'administration des monnaies et médailles est devenue le propriétaire légitime du trésor.
Mais il ne reste que 62 lingots d'or, 86 médailles, jetons et pièces de plaisir avec des vœux, surtout de prospérité, qui ne s'échangeaient pas dans le commerce mais s'offraient, et 4 lingots d'argent. De par ce qu'il nous reste de ce trésor, et de par son histoire, le trésor de Hué est donc unique et inestimable. Donc ce trésor qui reste, vous pourrez le visiter si vous êtes sur Paris, si vous allez à Paris en voyage, et vous pourrez le découvrir en fait à la Monnaie de Paris. Et il y a une partie musée où il y a une exposition, alors je crois qu'elle est permanente, et vous pourrez voir tout ce qui reste, des pièces, des jetons, des lingots d'or, mais aussi des lingots d'argent, et vous pourrez découvrir cela lors d'une visite. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de vous abonner à la chaîne, cela permettra de vous tenir informé des nouvelles sorties, mais aussi de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo, et merci d'avoir regardé. Bye bye!